crois que c'est bien jaune avançant ce coup droit. Elle fait 3 mètres. Ah oui. Ah ouais, c'était pas assez puissant. Ah oui, c'est pas compliqué la vie, l'Argentine, elle a joué très très long. Et la voilà qui... Ah, quel retour là, droit devant. On voit la ligne de sauve. Eh bien voilà, c'est dans la poche pour Paula Suarez qui n'a pas fléchi là sur cette deuxième occasion de remporter la première manche. Eh bien, c'est un petit peu préoccupant tout de même, même si depuis le début dit du tournoi, Nathalie de Chiros. Stade du troisième tour. Oh là là, qu'il est beau ce revers là, elle était 2,50 m derrière la ligne de fond de cours. Ah, c'est bien joué là, ce premier coup court croisé. Absolument remporté 2-7. La bataille va être rude, mais il faut s'y préparer. Bien joué, Nathalie, magnifique. Ah ouais, un petit test, ouais, hein, quand ouais. Même, bien, bien joué le long de la ligne. Pas très bien parti. Oui. Du côté. Du football. Oh ouais, encore sur exactement le faible hein, de Nathalie, c'est la qualité de son service. Elle a fait un peu de progrès, cela dit, dans ce domaine, mais elle manque encore un peu de punch. Voilà, c'est génial ce coup-là, rien à dire, bravo. Ah ouais. Tranquille, bien joué. Ouais, bien joué. Bonne main. 15-30. Ouais, sert bien. Hein. Ouais. C'est jamais rapide. Hein. Voilà, c'est bien ce coup droit. Elle est très dangereuse en coup droit. Pour bien montrer que tout avait fonctionné au niveau sécurité. Vive le sport. Voilà. Et on vous rappelle que Moya et Canas donc, sont pour l'instant en troisième set. Moya a remporté la première manche 6-4 et Canas le deuxième set au jeu décisif. Celui-là est bien parti. Alors là, il y a des gens qui sont en train de s'installer dans les loges, là, c'est quand même assez bizarre. Les deux jeunes femmes continuent le jeu néanmoins, mais il y a beaucoup de mouvements. Guy est en train de s'enrhumer. Ah oui, avec le filet. Une nouvelle fois. Hein. Voilà, peut-être le plus bel échange du match là. Peut-être. Et puis tout... Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien avancé ça. Bravo.
Oh, c'est bien joué. Bravo, Nathalie. Voilà, elle a bien pris sa chance. Et à 5-4. Oui, c'est là que se situe la clé du match. Oui, pas maladroite quand même, hein. On critiquait tout à l'heure l'Argentine. Oh, qu'il est beau ce coup droit en avançant sur la ligne. Elle continue, Lionel, hein, avancer. Ouais. Allez, encore un. Voilà, magnifique. La prime à l'audace, encore une fois. Pensez la même chose que moi, Lionel. Oui. Vous avez pensé très fort. Hein. Bien senti venir, malheureusement, Lionel, pour elle. C'est pas bien, ça. Oh, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Mais la double faute, on l'a senti venir depuis un petit moment. Elle touchait beaucoup la bande du filet. Et bien là, elle concède sa mise en jeu. Ce qui veut dire qu'on... Un remarquable juge arbitre. Un garçon apprécié de tous dans le milieu du tennis. Voilà. Oh, que c'est bien joué en avançant là encore. C'est impeccable. Ces schémas tactiques, ces schémas qui lui ont permis de remporter la deuxième manche. Et il faut persévérer dans ces options là. Oh, que c'est bien cette remise là, magnifique. Dans les pieds, ça a cloué sur. Ah oui, il est parti un peu trop loin, une attaque qui est moyenne. Oh oui, impeccable. 40-15. Ça met très 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 plein régal pour celle qui relance. Voilà. Oh là là. Un contre-pied, là, bien joué. Toujours pareil, ce coup droit, elle a décroisé. Elle reste un peu plus de puissance sur le haut du corps. Vous la mettez au surf. Ça fait pas de mal, ça c'est sûr. Bien joué, Nathalie, encore une fois. Bien avancé vers ce coup droit. Qui concède sa mise en jeu et qui court après le score. Et comme on le disait tout à l'heure avec Guy, c'est souvent quand elle est menée qu'elle joue son meilleur tennis. Donc on attend sa réaction. Ben voilà. Sa droite Antoine, l'ami de Nathalie Dechy. Oh, magnifique ce coup droit contre-pied. Allez Nat. Je m'amuserai sur la place. Quel dommage. Les stats. Par rapport donc à double faute, il y en a 6 pour Nathalie et 5 pour Suarez. Bien joué Nathalie. Elle a parfaitement mené cet échange, l'Argentine.
Intelligemment fait là, de la part de Paola Suarez qui a cassé. Ça passe difficilement là-bas aussi au service après une telle débauche d'énergie. Non mais ça va, elle a bien servi. Voilà le contre-pied, bon. Parfait. Parfait, bien avancé. Oh, oh, elle a bien joué, le retour était excellent. Ouais. Et derrière. Allez, Thalie. Voilà. Oh, bien joué. C'est vrai que c'est souvent difficile à réaliser ça, voler haute là comme ça en reculant. C'était un bon retour, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 voilà, allez, bien joué Nathalie. On sent que... Oh, nous sera nice. Ah ouais, bien joué. Crispé un petit peu. Après encore la bonne première balle. Hein. 161 km/h. Ça se termine là-dessus, ça se termine là-dessus et bravo Paola Suarez d'avoir été si déterminée, si courageuse pour sortir Nathalie Dechy. Décidément, c'est pas une belle journée française pour le sport actuellement. Espérons que tout cela va s'inverser tout à l'heure avec notamment Arnaud Clément et Amélie Mauresmo. Mais défaite pour Nathalie Dechy, 7-5 dans cette troisième manche en ayant sauvé deux.